Montre-nous autre chose. Pitié, montre-nous autre chose. Ne t'arrête pas là, je t'en supplie. Je vais péter un câble. Salut à tous, bienvenue chez Sneeze. J'espère que vous allez bien, les Sneezeux, les Sneezettes. Et vous savez ce qu'il y a dans 3 jours? Il y a mon anniversaire. Et vous savez ce que je veux comme cadeau? Les remakes 4G. Ça fait des années que je les attends. Je n'en peux plus. Et normalement, dans 3 jours... Bon, si c'est pas annoncé, je vous jure, je fais un truc. Voilà, j'arrête Pokémon si c'est pas... Non, c'est faux. Sinon, en 3D, je rêve de ça depuis bien trop longtemps. Alors, je fais cette vidéo parce que je suis trop hype. Et vu que je n'arrive pas à contenir ma hype à cause d'un tweet en particulier qui est sorti aujourd'hui, Centro Pokémon Leaks, qui sont généralement connus pour des leaks, qui ont été vérifiés par la suite et qui étaient justes, ont tweeté, vous n'aurez pas à attendre le 27 février pour avoir la big news que vous attendez tant. On va regarder des mèmes, on va regarder des créations de la communauté. Tout pour se faire du bien en attendant de pouvoir revisiter Sinnoh. Et je vous jure que si c'est pas Sinnoh, je pète un câble. Sans plus attendre, regardons tout cela. Les fans qui disent qu'ils veulent des remakes de Sinnoh, Game Freak. Bon, c'est vrai, ça fait des années, on dirait que Game Freak ils font les sourds. Rien de communiqué, pas de ouais, on aime bien Sinnoh. Et en plus, c'est bâtard. Pour la vidéo d'annonce des 25 ans où on entend Katy Perry à la fin, y a rien sur Sinnoh. Y a rien. On va la regarder ensemble, j'en ai rien à foutre. 25 ans de souvenirs. Donc là, on a la first gen, on a le Ronflex. Ici, on a la 2G avec les petites feuilles d'automne, les starters, le Mentali. La 3G avec les starters, le téléphérique, tout ça. Et la 4G. On l'attend. Rien du tout. On passe directement à la 5G avec les... Oh, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Gonex, je pense que c'est l'une des versions les plus aimées. Et quand ils vont la sortir, même si c'est pas cette année, ça va être insane. J'ai vraiment qu'une peur, c'est s'ils font des let's go. S'ils font des let's go diamant perle. Sorry, my children. C'est vraiment la communauté quand il y a eu Pokémon Let's Go, Evoli, Pikachu. Exactement ce qui s'est passé. Là, cette tête-là, tout le monde l'a fait. Peut-être pas les enfants qui se disaient, ouais, je vais pouvoir caresser mon Pikachu, tout ça. Peut-être, eux, ils ont aimé. En même temps, regardez-là. Regardez-là, comment on ne peut pas aimer. Non, mais regardez le sourire que j'ai. Le sourire que j'ai en parlant de la 4G, c'est quand même insane. Comment on ne peut ne pas vouloir voir cette personne, Aurore, la waifu la plus insane que cette terre n'ait jamais connue? Je n'attends que de voir sa bouille sur ma Switch. Je n'attends que ça. Et puis regardez dans le fond, il y a la neige. Il y en a beaucoup d'entre nous pour qui Sinnoh est associé à la neige et le Mont Couronné. Imaginez des terres sauvages version Sinnoh. Imaginez le Mont Couronné. C'est devenu des terres sauvages. Là, je deviens de fou. Dans cette vidéo, je deviens de fou. Des remakes de Diamant et Perle, la communauté Pokémon. Plutôt vrai. La 8G. Oh non, je suis pas d'accord. Les personnes qui attendent Pokémon Z. Oui, bon, bah ça... Hey, en vrai, il y a tellement de choses sur XY qui n'ont pas été approfondies que je signe tous les jours pour la suite de XY. Même si on n'a pas les remakes 4G et qu'on doit attendre encore 5 ans. Oh, yes! Oh, stylé. Elite Four, on l'avait déjà vu l'année dernière dans la vidéo des fanarts de forme Gigamax. On l'avait déjà vu. Et là, c'est Palkia Titanomax. C'est pas Gigamax, c'est Titanomax. Parce que oui, si jamais il y a des remakes, ça suivra forcément la dynamique de la 8G. D'avoir les formes Gigamax. Et on se doute bien que s'il y a Palkia et Dialga, il y aura une forme Gigamax de ces deux légendaires. Du moins, on l'espère. Dialga juste incroyable. Dialga juste fou. Vous êtes plutôt team quoi, vous? Vous êtes plutôt team Dialga ou team Palkia? Moi, je suis team Dialga. Parce que j'ai joué à Diamant, mais Palkia a un charisme. Ah oui, alors non. Non, ça c'est ce que je veux pas, non. Let's go Dialga et let's go Palkia. Bon, alors surtout avec ces box art, perd totalement la crédibilité des Dialga et Palkia. Mais bon, vu que ce serait des jeux pour enfants, ça serait un peu le style. Attends, par contre, le fond, c'est le fond d'écran Windows. Je crois que c'est le fond écran Windows de base. Si les remakes de Sinnoh ressemblent à épée et bouclier, je quitte Pokémon. Oh bah, ça fait la 7ème année de suite que tu veux arrêter Pokémon. Ça, c'est moi, ça. Ce même. C'est moi. Je dis tout le temps que je vais arrêter Pokémon s'il n'y a pas les remakes 4G. Je sais très bien que je ne vais pas arrêter. C'est la seule chose qui m'anime dans la vie, Pokémon. Je vais pas arrêter. Et même s'ils sont pas annoncés, le fait qu'il y ait un nouveau jeu, je suis trop heureux sa mère. Oh mais oui, Luca et Pingoléon avec la Pokémontre, Oh la Pokémontre. D'ailleurs, vous saviez que la Pokémontre, quand vous tapiez sur la calculatrice le numéro Pokédex d'un Pokémon et que vous faisiez entrer, ça faisait le cri du Pokémon? Moi je ne le savais pas. Mais les dresseurs de cette région sont trop beaux, même les starters. Regardez la dégaine de Pingoléon, il est trop stylé. En fait, je sais même pas si c'est vous que je hype ou si c'est moi qui me fait du mal là. Oh, une petite vidéo avec un Dialga. Ah, ce serait un modèle 3D du fanart qu'on a vu. Attends, c'est le fanart qu'on a vu tout à l'heure? Non, c'est pas vraiment. Ça hype encore plus de voir un modèle 3D d'un possible Dialga Gigamax, je sais pas trop quoi là. Oh oui, j'aime ça là. Si les remakes de Diamant et Perle arrivent un jour, j'espère qu'on aura le monde distorsion dans le post-game comme l'épisode Delta. Bonne idée! C'est vrai que du coup, ce serait des remakes de Diamant et Perle et pas de Platine, du coup, on n'aurait pas le monde distorsion. Le monde distorsion en 3D serait insane! Très très bonne idée de la communauté là. Par contre, c'est quoi le même? Oh, c'est ta chambre? Elle est vraiment cool. L'idée est trop bien, mais c'est dégueulasse! C'est de la neige boueuse dégueulasse pour le bas de Bleedy là, qu'est-ce que c'est? Qui fait ça? En plus, la neige, ça se voit clairement, elle est trop compactée, c'est de la glace. Très peu crédible ce Bleedy, j'ai pas envie de le voir dans les remakes lui. Oh! Ah, oh, c'est trop stylé! Ah, la feuille là!
feuille pas au max. Enfin, par contre, c'est trop cool, ce serait une version différente de Bon Augure. Ouais, c'est ça, c'est Bon Augure. Les maisons sont pas disposées de la même manière, mais forcément, ce sera un jeu en 3D. Est-ce qu'ils vont disposer les maisons de la même manière? Ça m'étonnerait. Bon, c'est pas des graphismes de Switch, hein. Ça se voit que c'est clairement fait sur ordinateur. Jamais on a de l'herbe et des fleurs comme ça. L'eau, par contre, là-bas, ça fait très épais et bouclier, hein. C'est dégueulasse. Mais oui, j'aimerais beaucoup. Et en plus, on voit le chemin qui part là-bas, là. Vers le lac Courage. Oh oui. Oh oui. Oh, trop bien. Je les avais déjà vus passer. C'est des fanarts de à quoi pourraient ressembler les personnages de Diamant et Perle dans des potentiels remakes. Et les gens veulent un retour de la méga évolution. C'est ça que je note. C'est ça que je note. On a deux versions, on a la version diamant et perle, on a même la version platine avec les couleurs de la aurore de platine. Et je préfère carrément la aurore de la version 2020. Franchement, je signe tous les jours pour celle-là. Le gros manteau, l'écharpe qui fait un peu plus design Pokémon actuel. Et à mon avis, on va même pouvoir customiser Aurore dans les prochains jeux. Cynthia aussi, elle verrait son design changer. Ah, il change pas tant que ça. Elle reste quand même Cynthia. Elle paraît quand même un peu plus gentille, un peu moins froide, un peu moins forte sur celle-là. Je préférerais qu'elle garde l'aspect Daronne. Aspect Daronne qui te met un coup de tatane si elle veut. Ah, par contre Luca non. Luca il est chum, on dirait un astronaute là. Les fans Pokémon après avoir one shot le Karchakrok de Cynthia avec Dazzling Gleam dans les remakes de Sinnoh. Oh non, c'est vrai, c'est vrai. À l'époque il y avait pas encore de type fée. Donc le type dragon était le type le plus fort. Là maintenant avec les Pokémon normaux qui sont passés type fée, c'est vrai que c'est plus aussi difficile de one shot le Karchakrok de Cynthia. Mais non, c'était son Pokémon Ace, il était trop fort. Ah, j'ai peur, j'espère que le jeu va garder une certaine forme de difficulté, hein. Que Cynthia, on va pas la tuer en 6 coups là, non. Il faut continuer quand on entend sa musique. Avoir des syndromes post-traumatiques. Obscure Pokémon Fact, jour 45. Jusqu'à la génération 7, Babil était le seul move que Lorion ne pouvait pas apprendre. Babil ne peut même pas être utilisé avec des capacités comme Mimic ou Métronome. What? Je savais que Lorion pouvait pas apprendre Babil, j'en avais déjà parlé dans un saviez-vous que. Par contre, pour le coup de Mimic et Métronome, j'étais pas au courant. Les raisons du choix derrière ce design restent inconnues. Eh bien écoutez, peut-être en saura-t-on plus avec les remakes. Peut-être un Pijako Gigamax. Oh ouais, le retour de Mastouf en 3D, je n'attends que ça. Oh, les miniatures que je vais pouvoir faire, oh là là. Work in progress, la région de Sinnoh dans Minecraft. Ouh, y'a quelqu'un qui s'est fait chier. Ah, pourquoi y'a des coiffarelles? C'est pas la bonne génération, ça. Mais y'a des tarsales. Ils sont ravagés, ils pouvaient pas faire des étourmis. Ou les starters. Je sais pas, pourquoi? Est-ce qu'on peut aller au lac? Oh, y'a le lac, avec la grotte au milieu. Yes. Oh, wait, c'était Félicité au fond là. En entendant la musique, par contre, je ne peux réfléchir qu'à une chose. Ils vont refaire tous les thèmes de Diamant et Perle. Je peux vous dire que je vais le mettre dans mes écouteurs toute la journée. J'espère que ce sera à la hauteur. L'OST de Épée Bouclier était trop cool. Oh ouais, mais c'est Félicité qu'on voit au fond. Oh, c'est trop stylé. Alors ça reste un design Minecraft, c'est très cubique, mais au moins on a vraiment la sensation de grandeur. Regardez Félicité. Comment ce serait avec les vrais gros bâtiments là. C'est une ville de building et pourtant on n'a pas cette impression de grandeur. Et dans les prochains jeux, ce serait le cas. Oh ouais, de haut, c'est trop stylé. Oh là, ça me fait une sensation de ouf. Imaginez voir ma région préférée prendre vie en 3 dimensions, réaliser les échelles de grandeur des villes, pouvoir se balader dans la forêt Vestigion. Imaginez. La vidéo, même si c'est du Minecraft, elle m'a fait très étrange. Et je mens vraiment pas. En arrivant dans Félicité, ça m'a fait une impression trop bizarre. Comme un pincement au cœur de... Je connais la ville par cœur, je connais les jeux par cœur, et les imaginer autrement... Oh là là. Bon là, je suis un fan. Ouais. Là, il n'y a pas grand chose à dire, c'est le fanboy en moi qui parle. Mais j'ai trop hâte. Je sais pas ce qu'ils nous ont prévu, je sais pas si ça vaut le coup de se hyper pour rien. J'espère que vous aurez été content de voir tout ça, de partager ma joie possible, probable, avec moi. Laissez un like bien sûr si ça vous a plu, abonnez-vous si vous ne voulez rater aucune vidéo. Dites-moi en commentaire si vous êtes hype ou pas hype, qu'est-ce que vous attendez des prochains jeux, même si c'est pas sur Sinnoh. Peut-être que vous, c'est totalement autre chose et je ne vous en voudrais pas. Pokémon est une licence si grande, vous pouvez aimer toutes les générations. Bon, sur ce, on se donne rendez-vous dans 3 jours, le 27 février, pour mon anniversaire... l'annonce des prochains jeux. Et même si c'est pas l'annonce, le Pokémon Day, moi, je ne ferai pas de vidéo et pas de live parce que je fêterai mon anniversaire avec ma copine, donc je ne vais pas faire de live ou de vidéo ce jour-là. Je vais profiter dans mon coin, je vais bien évidemment regarder le Pokémon Direct, mais ce sera juste pour moi, pour profiter. Je vous fais des bisous les Sneezers, passez une bonne fin de semaine ou des bonnes vacances, et en attendant, n'oubliez pas...